quatre marozos qui ne veulent pas quitter ça, toujours vieux monde chaque matin, malgré l'opération Terminator 1, qui chasse en pile avec ça, mais ils ne veulent pas de paille. Comment soyez, la 43-29, 77-40, le seul côté du pays a gagné pour parler avec le secrétaire général, ministre et président, pour comprendre comment la situation est, on a regardé ensemble. Qui ça, auditeur, vous voyez le journal, première occasion, la 43-29, 77-40, là. Plusieurs citoyens et qui vivent dans les zones Wanamet, en bas éco de Vio, remercie le président Jovenel Moïse pour plusieurs ce qu'il fait, pour capable de faire le cadre électoral. Mais en plus, là, d'ailleurs, demandé pour monter le salaire. Ça a été ouvert au côté de vie, dans une situation difficile. En plus, le monde s'est dit que c'est un véritable problème de la Wanamet, surtout à cause du problème de la caout. Plusieurs citoyens m'ont demandé, ministre de l'Éducation nationale, là, pour essayer eux-mêmes, puis envoyer inspecteur à vérifier quelques écoles, pour l'école nationale Capotia, dans une situation difficile. En même temps, pour essayer eux-mêmes de nomination, parce que c'est calme là, j'ai touché à pas bon même, ils ont demandé pour chercher qu'à tomber à l'aise. SOS ou tabac, et bien zone rentrée à Kwafina, nous avons payé en pile à cause de ça qui est cadre net. Nous avons des ministres des fonds gens qui vont aider Mounio et traverser tout ça sans qu'elle se fait. Parce que vous la craser, machine, moto, ça va faire la même situation vraiment difficile. Deuxième monde, la troisième circonscription, la troisième section communale et petit coup de nib pour plaignant à cause de l'équipe bandit, c'est le Saoudine. Et qui a un pile problème, c'est des chansons, qui a fait la population monter les sels par deux. Demandez-vous la police, la petite de NIP, et des populations, gérer la situation, et ça, qui a déjà vol tout le monde, et la situation par vous-même. Plusieurs citoyens ont demandé, et pour autorité capable de gérer, pour Thomas Zouapé qui est dans une situation difficile, demandez pour autorité au fond, gérer la situation, ça. En plus, les citoyens dans la zone 5e section, et Jérémy, c'est quelle section communale Jérémy, et plein en pile à cause de la situation là, qui n'est pas bon pour eux, demander aux autorités capables d'accompagner les gens, spécialement les agriculteurs. Morin, bonjour. Lorsque l'on connaît que Greffia, c'est une pièce maîtresse liée au niveau du tribunal, parce que j'aimerais expliquer là que le greffier est important depuis dans le tribunal de paix, parce que le tribunal de paix n'est pas capable de faire aucun transport sur les lieux sans le greffier. C'est le greffier qui doit constater et si quelqu'un qui mourit dans la rue, c'est le greffier qui doit constater si quelqu'un avec accompagné de magistrat, si quelqu'un on sait les proposer. Donc, greffier est très important au niveau du tribunal de paix. Le tribunal première instance, là, commis parquet, a greffier encore très important, parce que sans greffier et gagner une série de et activités que et parquet a, le tribunal première instance, ça ne va pas faire. Par exemple, parce que soit aller dans le cabinet d'instruction, au cabinet d'instruction, le juge n'est pas capable pour compte parler et poser question pendant notre écrit, alors que l'on connaît que le greffier, je dis, c'est le dépositaire de tous les dossiers. C'est le greffier qui connaît les dossiers, où il travaille, qui niveau il y a un dossier, qui avancement où il y a un dossier. Donc, montrons que le greffier est important. Et je vais expliquer aussi, le greffier n'est pas dans le tribunal de paix pour l'instant, il a dans le cours de cassation, quel que soit dans le cours, il y dans ce langue greffier à l'île. Donc, pas gros siège qui est capable de prendre sans ou pas prêter ou pas tenir compte de un greffier. Donc, je vous montre au côté, lorsque greffier n'a pas de travail, c'est le tribunal qui est paralysé. C'est toutes les juridictions qui sont paralysées, de la cour d'appel, de la cour de cassation jusqu'au tribunal de paix, sans omettre la cour supérieure des comptes, parce que même pour greffier, vous imaginez, donc, on n'a pas besoin de dire que. Et c'est la justice dans son ensemble qui a un problème de jeudi à lorsque nous vivons dans le niveau plus que deux mois et greffier en grève. Il n'y a pas aucune décision qui prend au niveau de l'État
pour au moins yo camper grève là, parce que ce que nous connaît que yo mande grève, yo mande en carte de débit, yo mande que gagne là-dedans yo qui gagne qui capable prendre promotion qui pour venir soit et substitut soit Jules de Paix pour entrer à l'école et de la magistrature. Il y a un protocole qui était signé entre les greffiers et le ministère de la justice que me paraît sur les yeux. Bien entendu, mais il paraît que le protocole pas respecté. Donc, nous allons arriver dans le premier, sur lundi d'octobre, qui c'est pour l'ouverture officielle des tribunaux, et ouverture chaque année des tribunaux. Donc, si nous arrivons dans le premier lundi d'octobre, là, c'est capable de dire, même j'en ai une année judiciaire crasée, une année judiciaire bâclée, une année judiciaire perdue, parce que imaginez, le tribunal n'a pas vraiment fonctionné à plein régime pendant cette année judiciaire, et même pendant l'année judiciaire passée, le tribunal n'a pas jamais fonctionné à plein régime. Donc, vous imaginez que vous pouvez acquitter grève, grève, arrivé dans le premier lundi d'octobre, c'est archi grave. C'est inacceptable, et c'est peut-être ça, non, les ministres de la justice là, à travers et Radio Caraïbe, à travers la note, vous nous dites, écoutez, nous autres, nous sommes et pour une entente entre le ministère de la justice et les associations de greffiers pour nous capables de joindre un modus vivendi de manière pour ne pas bloquer le fonctionnement tribunal. Et qui t'aime conclure au Bundo et Pierre-Renel Guerrier, que il est très important, je dis à la, pour que le problème ça résoudre. Parce que quand pile monde y a arrêté, les a arrêté Mounio, Mounsayo, il y a eu le cabinet d'instruction, il y a de l'autre, il y a eu tout au niveau de tribunal correctionnel. Donc, Mounsayo, il y a eu le besoin que il y a un juge qui penche sous dossier. Et pour le juge là, pencher sous dossier, le juge là a besoin, il y a un greffier pour être capable de pencher sous dossier. Donc c'est pour raison ça que nous-mêmes au niveau de l'ANAMA, nous avons invité le ministre de la Justice pour prendre toutes les mesures nécessaires pour corriger rapidement le problème, pour ne pas paralyser le tribunal bio dans le premier lundi d'octobre. Parce que la détention préventive prolongée, nous connaissons qu'en pile de monde a besoin de combattre lui, en pile de monde a besoin de bataille contre lui, mais pour bataille contre lui, il faut que les magistrats en condition de travail et que c'est en condition de travail, les huissiers en condition de travail, les secrétaires et au niveau des tribunaux, faut qu'ils soient en condition de travail. Autant tout le monde qui est dans le système, il faut qu'ils soient en condition de travail. Parce que si les gens ne sont pas en condition de travail, le tribunal lui-même l'a paralysé. Et qui explication selon l'autorité de Takabaye là pour faire que les gens comprennent raison qui fait deux mois en crise li, a persisté et que pas arrivé résoudre li. Et est-ce que c'est de plein gré ça arrivait ou du moins est-ce que ça négligence ça qui fait que grève l'arrivée dans le niveau ça jusqu'à deux mois et que appareil justice les dysfonctionner. Moi-même, j'ai une question. C'est la question là. Est-ce que gagner vraiment une priorité? Est-ce que la justice est une priorité? Est-ce que gagner une volonté pour faire justice la marcher quelque part? C'est une interrogation que nous gagnons. Parce que nous croyons que la justice au pays, c'est une et matrice pays. Parce que c'est lui qui pourrait permettre que le conflit qui gagne entre citoyens en dans la société a résoudre le problème entre citoyens, le problème entre institutions, le problème entre différentes organisations. La justice, il y a des gens qui traînent la justice et l'État devant la justice. Donc, il faut montrer que côté que la justice est vraiment importante. Mais malheureusement, il paraît que gagnant soit t'as une photographie ou t'as un flou qui paraît, qui montre que la justice n'est pas vraiment trop importante
dans volonté que l'autorité ait gagné pour faire le marché. Donc, c'est peut-être ça, parce que, pas oublier que il y a deux grèves magistrats qui fait année 1, et bon, première grève qui était obligé de lever, bon, deuxième grève qui était faite, qui était durée un mois, mais n'était-ce pas CSPJ, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui lui-même dépendant et rapidement devant. Alors, faut que nous voyions, et faut que nous disions à l'époque, le ministre qui est de la justice qui était là, les grèves magistrats, ils ont volonté, oui. Mais, le ministre Luckmann de Lille, il était fait toute salle capable pour rencontrer les magistrats. Mais aussi, c'est CSPJ qui joint aux gens pour être capable d'arriver à décrocher quelques promesses de l'exécutif là, pour mettre ce que Naptane résoudre avant la rentrée judiciaire. Parce qu'on prend une promesse qui t'a de résoudre avant la rentrée judiciaire, avant le premier lundi d'octobre. On profite de ça. Parce que nous autres, au niveau des associations, toutes les associations, nous entendons, nous devons une trêve, pas une levée de la grève, mais une trêve, parce que le CSPJ lui-même est fait de rencontre avec nous, et sa rencontre a été conduite en trêve. Parce que on sent plus de promesses qu'il a fait, non? Et parmi les promesses, c'est pas nos 5% du budget national qui vous permettent que nous capables de fonctionner normalement. Ensuite, il y a un projet qu'un plan. Ensuite, il y a le renouvellement des mandats des magistrats, que le mandat est fait à expiration, qui devait être fait déjà. Malheureusement, nous ne connaissons pas pour quelle raison que l'époque est faite. Donc, le cahier est encore là. Nous attendons, parce que c'est une trêve que nous avions donnée, nous attendons que vous finissez pour répondre à diverses revendications de l'Europe et aussi répondre à promesses que vous faites. Nous. Voilà. Merci un peu, le magistrat Jean-Henri Lamoré. Bonne journée. Merci un peu, guerrier. Bonne journée à vous. D'accord. Voilà l'intervention du magistrat Jean-Wilner Morin sous grève greffier qui gagnait 2 mois depuis au campé travail, donc tribunal qui dysfonctionnel à cause de grève greffier qui a pas exigé plus bon conditions de travail, augmentation salaire, carte à débit, adoption statut qui vient pour un greffier, carte assurance et puis nomination greffier en chef pour tribunal de paix, nomination greffier qui sorti dans promotion 2017 et l'école magistrature. Faculté de droit, sciences économiques dans l'université l'État yon l'autre fois encore en deuil suite à la mort vice-doyen Charles Dumont Point du jour vice-doyen mouri hier dimanche là 2 jours après yon malaise dans le moment où il a participé effectivement vendredi à la cérémonie funéraille symbolique dans l'église Saint-Pierre Pétionville en mémoire bâtonnier lors d'avocat Port-au-Prince aux familles ont décidé chanter enterrement lui un jour avant les c'était promotion 80-84 dans la faculté de droit et sciences économiques, côté le dérivé, occupé poste doyen depuis l'année 2018. Il était enseigné histoire du droit dans la première année juridique faculté A. Il était dispensé tout coup droit usuel dans le collège CIM, droit international privé, dans CEDI. Il était gagné 72 l'année, il est fait dans Cavaillon, dans le département sud pays d'Haïti, marié, papa, 8 petites, yon na yo c'est Mackenzie, non artiste, c'est Magdi, chanteur dans le groupe musique haïtien Harmonique. Actualité à ces décisions exécutives, pour l'emprunt finalement. Pour nommer conseil électoral provisoire qui est adoué organiser prochaine élection et 3 jours après nomination CAEPESA pour organiser élection d'un pays selon arrêté exécutif la rende public week-end toujours pour qu'on gagne une date qui est annoncée pour installation nouveau Mambio pendant ça réaction yo pas manqué pour qualifier décision ça qui prend moins d'une semaine après ambassade américaine dans un tweet et prend position en faveur processus électoral là pendant été menacé tout le monde qui mettait yo en croix sur route élection yo déjà la mi-temps secteur chaque membre yo sorti c'est gros bouche l'ouvri côté moun yo dit au pas reconnaître yo nan membre qui désigné yo n'a rappelé proposition pardon conseil là d'abord pour secteur handicapé yo c'est lui
Alex Noël, Guirland de Mésadieu, secteur droit monde, Antonio Détil, la jeunesse représentant secteur paysan collectivité yo, c'est ak coopérative yo, pardon, c'est Nadia Jules Amédée, Patrick Numa, secteur syndical, Esperancia César, diaspora, Josette Massi, organisation Famio, révérend Guy Romélus, culte réformé yo, ak Rosemen, Joseph Pierre, culte vaudou selon article 1er. Arrêtez ça, j'en ai déjà dit, l'empile réaction, opposition, réagir, dénoncer, vous jeter décision ça, plusieurs partis politiques et organisations qui signent document, déclaration, engagement, 20 juillet 2021, ils prennent position. Et dans ce sens, ça, nous pourrons rejoindre Syriac Daniel, dirigeant OPL, qui fait partie structure ça, déclaration, engagement, 20 juillet 2020. Syriac Daniel, bonjour, nous comptons gagner avec nous. Matin, ça fait longtemps nous pas attendons et n'a pas parlé avec suite à décision exécutive là prend pour nommer nouveau KEPA. Nous gagnons en position plusieurs partis politiques dans opposition qu'on va le partager avec nous. Bonjour. Bonjour, René Pierre Renel, bonjour Guerrier et bonjour aux auditeurs de Radio Caraïbes. C'est un grand plaisir. Bon, et document n'a pas gardé en même temps avec vous pour gagner les sous yeux. En résumé, qui ça nous dit dans la déclaration que nous fait en termes de réaction à la décision qui prend là pour mettre campé Conseil électoral provisoire? Alors, tout d'abord, on a rappelé que les signataires de la déclaration d'engagement du 20 juillet 2020, c'est d'abord des partis regroupés au niveau de marché contré, secteur démocratique et populaire, où gagne AAA, Uniforce, Unité, Corotte Patriotique. Il y a aussi des organisations de la société civile, gagne Mopod aussi qui rejoignent nous bien après la signature, et beaucoup d'autres personnes.